Tous les hommes On est n'habitent pas loin. le monde de la même façon. Votre roman aux éditions de L'Olivier a donc obtenu le prix Goncourt et j'imagine que c'est une forme d'aboutissement pour le romancier que vous êtes. C'est un cadeau fait par un jury qui a bien voulu choisir ce livre, mais il n'y a pas d'aboutissement. Le seul aboutissement que je connaisse à la vie, il est malheureusement très triste. Ça, c'est une étape, c'est un moment, voilà, c'est un moment. Bon, les gars, ça suffit. J'ai été patient, j'ai essayé d'être pédagogue, mais il y en a marre. Même quand je vous parle de Marguerite Duras ou de Jean-Paul Sartre, la pustule wokiste, j'essaie d'être clair et de vous expliquer pourquoi c'est naze avec des arguments. Et vous, vous faites quoi? Bah vous lisez des purges postmodernes. Ah si si, ne niez pas, je vous vois là à enchaîner les prix Goncourt foireux, les Renaudot péteux et les Femina castrés comme une ménagère manipulable engluée dans son French Dream impénitent. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point les prix littéraires, à une époque où le niveau moyen de toute publication s'est effondré en deçà du mentionnable, c'est une énorme traînée de pneus dans le fond du slip glorieux de la culture française. Parce que passer en un siècle de lauréats comme Bernanos ou Saint-Exupéry à de sombres purges comme notre pélo du jour, Jean-Paul Dubois, l'homme à l'ADN de 8-6, ça en dit long sur la décrépitude d'un prix pareil. Du coup, pour aborder en douceur le colossal sujet de l'arnaque des prix littéraires actuels, et aussi pour bien vous faire comprendre à quel point je déféquence prêt sur ce genre de turbo-boost postmoderne, on va écarteler en place de grève un répugnant bubon de nihilisme comme seule la France post-68arde peut en tartiner sa cuirasse. Une vie française de Jean-Paul Dubois. Comment ça, vous avez jamais entendu parler de cette horreur? Mais on s'en fiche pas mal, ça. Ici, vous êtes pas chez la documentaliste ménopausée du CDI le plus proche. Vous êtes chez le hussard. Donc petit 1, on tire à balles réelles, et petit 2, comme dans la Légion romaine, en cas de défaite, et Dieu sait que la littérature française depuis 40 ans c'est une défaite globale, on prend un pélo pour l'exemple et on le fusille. Bam! Ça fait réfléchir les autres. C'est comme ça, c'est la pédagogie par l'horreur, alors abonnez-vous et mettez la cloche avant d'en prendre une, les gars. Du coup, pourquoi le minable opuscule cacateux du susnommé sieur Dubois ne mériterait même pas de servir d'allume barbecue pour vos repas estivaux? Qu'est-ce qui fait de ce texte puant la quintessence des pires idéaux des pires boomers en rupture de banc totale avec le réel depuis leurs deux appartements parisiens et leur compte en banque à 7 chiffres? Et pour quelle raison le prix Femina, après avoir promu un tel niveau de déchéance stylistique et idéologique sur tous les étals de France et de Navarre, devrait désormais, et pour toujours, se cantonner à la cuisine? Et bah tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sortez les treillis, affûtez la veuve, passez sur les réseaux sociaux qui vont bien, et lâchez un pouce bleu parce que vous adorez les épisodes de Cour Martiale, et puis on sera parti. Jean-Paul Dubois, l'homme dont les romans avaient si peu de valeur littéraire que Christine Angot aurait pu les comprendre, c'est notre victime du jour. Allez go! Ok, let's go! Faut pas avoir peur. Bon allez, avant la mise à mort, je vais quand même vous présenter notre victime. Mesdames et messieurs, voici Une vie française, le navrant roman de Jean-Paul Dubois paru en 2004 et lauréat du prix Femina la même année. Et franchement, croyez-moi, rien que pour vous résumer cette purge, faut vraiment que je me fasse violence. Tout le bouquin, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Paul Blic et qui naît à Toulouse en 1950. L'histoire commence quand il a 8 ans, en 1958, le jour où la France commet la 5ème République en s'obstinant à remplacer un régime déliquescent vomi par Vichy par un ersatz de monarchie gaulliste et presque mort-né. Ce jour-là, donc, Paul perd son frère Vincent qui meurt brutalement. Et après cet incident tragique aux allures de préliminaires foireux, l'histoire débute pour de bon. On suit donc, par le menu, une vie de petit français, classe moyenne privilégiée, dans un pays pas encore chitolisé, mais déjà léthargique et impuissant depuis la castration symbolique que représente la défaite de 1940. En gros, tout le bouquin est divisé en parties correspondant au mandat des présidents, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, et on accompagne, de ses 8 à ses 60 balais, le petit Paul Blic, le garçon à la vie d'une affligeante banalité et au destin, ou plutôt à l'absence de destin, digne d'un téléfilm de fin de soirée sur France 3. Et là, quand je vous dis absence de destin, je vous prie de croire que je ne plaisante pas un instant. C'est la vérité! C'est à peine croyable à quel point le roman est un éloge de la médiocrité humaine et du nihilisme gauchiste permanent. Laissez-moi vous résumer tout ça vite fait. Comme Paul est né en 1950, il a tout juste 18 ans en mai 68. Bien sûr, comme c'est un cancre et un pleutre, il est très content d'avoir son bac sans devoir passer la moindre épreuve à cause des manifs pour pouvoir foncer s'inscrire en socio au Mirail. Je vous jure que c'est vrai. Là-bas, comme son demi-cours annuel lui laisse assez de temps entre ses deux joints quotidiens pour ramper, tel l'aptère qu'il est, vers d'autres méfaits, il emménage en coloc avec quelques pustules étudiantines aussi interlopes que lui, non sans avoir au préalable obtenu la location de l'appartement, en couchant avec la mère nympho d'un camarade d'école. Mais enfin, ça va pas! Bref, ses péripéties passées, une fois carré dans sa bauche puante, notre goré commence à traîner avec une clique de petits bourgeois locaux qui partent tous ensemble sans vergogne, jusqu'à piquer la meuf de l'un d'entre eux qui va devenir sa femme. Et elle, comme c'est une petite bimbo fille 2 de la bourgeoisie toulousaine, bah elle va l'entretenir. Ouais ouais, elle va l'entretenir. En gros, Paul est une telle couille molle que sa zoulette va financer sa pitoyable existence. Je vous laisse mesurer le niveau de parasitisme de ce gus, dont la passion exclusive, à un certain stade, est de torcher ses mioches et de se promener dans la cité de Toulouse, le nez au vent, pour profiter de la submersion migratoire en cours. Et tout est comme ça. Je sais même pas comment vous énoncer à quel point le personnage principal est méprisable. Pour tout vous dire, à un moment donné, il se retrouve à faire fortune sur un malentendu complet, puis à tout perdre parce que sa femme le trompe et détourne l'argent pour monter des plans foireux avec son amant, avec qui
Lucie a fini par mourir d'ailleurs. Donc toi, dans une situation pareille, qu'est-ce que tu ferais? Tu t'insurgerais, tu t'énerverais, tu sortirais le 12, tu passerais en mode Papacito vs un mannequin et tu ferais au monde une guerre comme il n'en a jamais vu. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. On est bien d'accord. Et bah pas là. Ah non. Pas chez Dubois. Chez Dubois, les personnages, quand ils cuquent, c'est jusqu'au bout. Donc Paul, qu'est-ce qu'il fait? Oh bah il achète sa petite tondeuse à gazon, son petit nécessaire de jardinage, et il va tondre les pelouses des richoux locaux pour 4 piastres. Voilà, sans rancune, sans regret. Pas d'enjeu, aucun drame, zéro émotion. Mesdames et messieurs, applaudissements. La puissance romanesque et la portée tragique de ce livre en font un digne héritier des bouquins de Christiane Taubira, il n'y a strictement rien à sauver. Et encore, je vous parle pas du style de l'auteur qui alterne des phrases très blanches, dépourvues de relief, des tournures mal maîtrisées et des tentatives d'humour qui, en plus de créer un malaise plus palpable que la nullité de Bruno Le Maire dans cet extrait vidéo. Emmanuel Macron is Jupiter. I'm Hermes, the messenger. Okay. Créer une infranchissable distance entre vous, lecteurs, et les personnages dont on a de toute façon rien envie de savoir, tant leur place, dans toute société saine du mégalithique, aurait été transformée en tabouret humain pour le confort du chef tribal. Écoute, tu mérites d'être un tabouret humain, mais en fait, on va te donner ta chance, et finalement, tu vas être journaliste, ce qui est pas très éloigné, en fait, au final, tu vois. Alors bon, n'en jetez plus. Je pourrais encore vous parler des sympathies gauchistes de Paul, du fait que ce roman ressemble à une pénible redite des anciens textes de Dubois, qui appelle tous ses personnages principaux Paul, d'ailleurs, et qui fourre toujours des adultères dans ses intrigues, ou même de l'ancienne maîtresse et amie du personnage principal, qui préfère mater la télé que de se faire tirer une crampe par notre gauchiste bande mou du Mirail. Mais à quoi bon? Vous l'avez compris, ne lisez pas Dubois, et surtout, ne lisez jamais Une vie française, c'est un très très mauvais roman. Et donc là, vous devez vous demander pourquoi je vous en parle. Et bah il y a une raison très simple. Ce qui est intéressant avec cette sombre purge, c'est qu'elle met en lumière de façon presque exhaustive tous les travers des idéaux 68ards et toute la culture de la défaite qui fut d'abord celle des hippies pacifistes des années 60, avant de devenir, les années passant, celle des boomers jouisseurs donneurs de leçons et fans de Cohn Bendit. C'est fantastique. Du coup, ce roman, faut un peu le voir comme le champion toute catégorie du boomerisme, un néologisme que j'invente sur le champ pour qualifier l'état d'esprit typique d'une partie de cette génération d'après-guerre qui croyait révolutionner le monde en vivant d'amour et d'eau fraîche et qui, par naïveté, par et hédonisme, a seulement réussi à faire pourrir sur pied le plus brillant prototype de civilisation contemporaine. Mais mon cher Hussard, me demanderez-vous sans doute, quelles sont les caractéristiques du boomerisme? Très bonne question, soldat. Je vais détailler ça tout de suite. Le premier trait saillant du boomer à la sauce du bois, c'est sa paresse. Son personnage principal en est un parfait parangon. Cancre, inculte, branleur patenté, il se débrouille pour ne rien faire. Pas d'études sérieuses, pas de service militaire, pas de boulot stable, même pas de fidélité envers sa femme, qu'il trompe assidûment alors qu'elle l'entretient, ni de courage pour s'expliquer avec elle quand il réalise qu'elle aussi, elle le trompe dans son coin. Vraiment, je suis sur le cul. On est face à un tel modèle de pleutrerie gauchiste que si on lui taillait le bras, il saignerait de la 8-6. Le deuxième travers du boomer, juste après, c'est l'hédonisme. C'est-à-dire, pour aller vite, le goût de la jouissance rapide et sans effort. Bon, alors là encore, le livre regorge de péripéties qui vont dans ce sens. Entre les infidélités de Paul, qui sont motivées non pas par sa soif de sexe, mais uniquement par l'absence de caractère qui le pousse à accepter pour voir ce genre de bassesse, le goût du bonhomme pour une vie retirée, en marge des gens qui travaillent vraiment et se bougent le fiac tous les matins, ou encore sa passion pour la contemplation d'insectes et d'arbres qui joue un grand rôle dans l'histoire. N'en jetez plus, on est là sur un zouave avec un taux d'incidence négatif sur le PIB français. C'est simple, si on a analyse froidement en termes de ressources coûtées pour ressources rapportées, le cas de notre pélo, et le cas de Dubois aussi d'ailleurs, je suis obligé de vous dire qu'au Moyen-Âge, notre Gus, il aurait dormi dans les douves devant la ville parce que 0,0 bourgmestre ne l'aurait jamais laissé rentrer. Il se serait fait recale devant le pont-levis comme un manouche en boîte de nuit, y a aucun doute là-dessus. Oh, une victime! Et le mec, sa vie s'arrêtait là. Et puis enfin, le troisième travers du boomer, c'est la naïveté. Là encore, naïveté devant la conduite de sa femme, naïveté devant l'argent, naïveté devant son destin, naïveté devant la cruauté de la société, et surtout, naïveté devant le désastre politique que ne peuvent pas manquer d'entraîner ses idéaux de chevelu crasseux en L3 du Mirail, une fois appliqués à la société. On ne peut pas dire que le personnage de Dubois ait sa place ailleurs que dans le bac vert. Le mec, il y a 0,0% de recyclable dedans, c'est que du compost. Donc c'est tout nul et très pénible à lire. Et n'allez pas me relativiser ça en disant que c'est juste un roman, hein. Ah non non non, je vous vois les gens relativisme en commentaire là. Lâchez votre clavier. Lâchez votre clavier. Je vous demande de vous arrêter. Jean-Paul Dubois, faut bien le dire, il met beaucoup de lui dans ses textes. Donc la seule question qui vaille finalement, c'est est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de l'art? Et là, vous connaissez mon avis. Non. Déjà, chez Dubois, tous les personnages s'appellent Paul, comme lui, tous les personnages ont un traumatisme avec les dentistes, comme lui, tous les personnages ont un rapport plus que distant avec la fidélité conjugale, comme lui, tous les personnages sont des fainéants qui travaillent le moins possible, comme lui, qui reste terré dans sa maison 10 mois par an et ne travaille que 2 mois, le temps de gratter à l'arrache un roman qu'il fait vivre pour toute l'année à venir, et enfin, tous les personnages ou presque habitent Toulouse et revendiquent les pires aspects de cette ville gauchiste et crasseuse, où la fac Marx Abdelkader du Mirail et la team Mohamed Mera ont depuis longtemps éclipsé par leur laideur postmoderne la beauté régulière et presque haussmanienne de la place du Capitole. Donc oui, Dubois est un gauchiste maladif,
héritier direct et plein de miasmes de mai 68, et ses romans transpirent la haine des anciennes structures étatiques comme l'armée, l'État ou la patrie, tout en encourageant une forme de mollesse, de nonchalance et de défaitisme face au monde qui ne manquera pas, pour peu que vous soyez un peu sain d'esprit, de vous filer la nausée. La vraie nausée, pas celle du pustuleux crapaud sartrien que Dubois revendique d'ailleurs comme un modèle, hein, tout un symbole. Mais du coup, la question qui apparaît devant ce constat aux allures de réquisitoire de Nuremberg, c'est, sacré nom dit Ju, comment a-t-elle laxatif pour cheval a-t-il pu recevoir le moindre prix littéraire, surtout le Femina, qui est l'un des prix les plus cotés en France? Encore une fois, très bonne question, et on va s'atteler à y répondre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'édition française est une jungle, et les prix littéraires une jungle dans la jungle. En gros, tout est très opaque, très caché, très dépendant des rapports de force qui évoluent plus vite que la page Wikipédia d'Elisabeth Borne après sa nomination, entre les maisons d'édition. Donc, pour le commun des mortels, tout ce que vous savez des prix littéraires, c'est « oh là là, un tel a gagné », et éventuellement vous remarquez que « un tel » vient soit de chez Galli Grasseuil, c'est-à-dire l'une des grandes maisons de la place parisienne, soit d'un petit éditeur dit « indépendant », entre guillemets. Dans le premier cas, vous trouvez ça normal parce que, oui, tu vois, Gallimard, ils ont quand même de grands auteurs, alors que leurs derniers grands auteurs, c'est Yourcenar et Gary qui ont canné dans les années 80. Et dans le second cas, vous vous dites « ah, c'est merveilleux, n'importe qui de méritant peut gagner le prix, même un tout petit éditeur avec un jeune auteur inconnu ». Et là, moi, je retire le cran de sûreté, je vous plaque contre le mur et je vous arrête net. Parce que, non, sans rire, tout le bullshit avant là. J'espère que vous y avez pas cru, hein. Parce que vous savez le nombre de romans qui sortent en France chaque année? Vous savez que ça se compte en centaines rien que pour les premiers romans de la seule rentrée littéraire? Et vous croyez quoi? Que les jurés du Goncourt, entre deux repas gastronomiques à la Closerie des Lilas et trois turlutes de Yann Moix, ils trimballent leurs bedaines jusque dans les librairies les plus reculées à la recherche d'ouvrages sous-estimés, en les épluchant les uns après les autres à la lumière de leurs petites bougies pour être sûr de trouver la perle rare à encenser? Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Bah non, bien sûr que non. Les éditeurs en vue, ceux qui sont dans les petits papiers des jurés et qui font la pluie et le beau temps dans le monde éditorial, ils soufflent les noms des sélectionnés aux jurés, et ils leur font des pressions de dingue pour obtenir le Goncourt, le Femina ou le Renaudot. C'est les trois prix les plus rentables. Parce que dites-vous que chacun d'entre eux, c'est des centaines de milliers d'exemplaires vendus, et donc des millions d'euros pour la maison qui décrochera cette manne. Et dans le cas de Dubois, par exemple, le mec il est publié aux éditions L'Olivier. Bon, alors là, vous vous dites sûrement, ah bah voilà, c'est un éditeur indépendant, une petite maison, et rien du tout. L'Olivier, c'est une filiale du groupe Du Seuil. Bah ouais, le même Seuil qui est dans Galli Grasseuil, l'expression qui renvoie aux trois grandes maisons d'édition actuelles, Gallimard, Grasset et Le Seuil. Et idem pour le prix Goncourt 2021, paru chez Philippe Rey, un autre affilié du Seuil. Donc vous voyez, y a pas beaucoup de place pour les petits nouveaux là-dedans. Et Dubois, s'il est mis en avant, c'est uniquement parce que, petit 1, c'est un mec qui écrit depuis 20 ans des romans navrants à un rythme régulier, donc il commence à être connu dans le game, et petit 2, il sert à merveille l'agenda gauchiste qui vise à transformer tout individu en croisement guimauve-mélasse et à éloigner de la littérature tout souffle épique et romanesque qui devrait, au moins un peu, la sous-tendre. Parce que ouais, historiquement, c'est comme ça qu'elle est née la littérature, en commémorant et en racontant les hauts faits de héros dont chaque civilisation était fière. Donc au lieu de commémorer Paul Blic et Jean-Paul Dubois, les anti-héros à l'allure de punk à chien toulousain, apprenez du lourd Victor Hugo, du colossal Camus, du glorieux Dumas. Allez hop, le style c'est pas ce qui manque sur cette chaîne. Et comme ça au moins, vous ferez acte de résistance contre les bouquins pourris que les marchands de progrès parisiens veulent à toute force vous refourguer. Les gars, si vous avez encore des doutes sur la faible qualité de Jean-Paul Dubois, dites-vous qu'après le Femina, il a aussi tapé le Goncourt en 2019. Vous croyez vraiment qu'on peut scorer les prix littéraires comme ça sans pomper goulûment les grands ducs de la République des Lettres? Bah non, alors ne soyez pas dupes. Et pour autant, ne soyez pas non plus trop défaitistes. Comme d'hab, après le blâme, le hussard maniera l'éloge. La semaine prochaine, pour vous prouver qu'il reste de bons écrivains même à notre époque de décadence frappante, on parlera d'un petit gars génial qui vous éberluera de panache. Alors abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, commentez et rejoignez les réseaux du hussard pour ne rien rater des péripéties à venir. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ah, et pour une vie française, puisqu'il faut rendre un verdict, je dirais...